Quand t'es mort? De CA. Ça a été très calme, t'as réussi à en tuer quelques-uns là. Ouais. Mais en mode silencieux. Ouais, le plus que je pouvais. Ouais. Fous le bordel maintenant. Ah ouais? Ouais. J'ai le droit? Ouais. Oh putain! Ah ouais, ouais! Ouais, ouais! Avec. Et on fout le bordel. Bah, pas tout seul. Avec les viewers! Bah ouais. Ah, on leur dit! Bonjour! Bonjour à tous! Eh, hey, c'est tout CA! C'est bon, t'es mort! Et ouais, et on se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode de Uncharted 4 exclusivité Sony. Développé par Naughty Dog. Et ouais, comme tu disais, on a été très calme et tout. Ah oui, t'as éliminé Anna. Furtif. On a essayé. Et après, pof, on s'est fait avoir. Repéré, ouais. Et on s'est fait pan, pan, pan. Donc là, du coup, ils nous ont tous vus. Il n'y a pas de souci. On va essayer de les avoir sur ce, dans ce 18e épisode. Et let's go. Aïe, 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 aïe. Allez. Allez, pan pan! Oula, oula! Eh, mais ils sont beaucoup là! Oula, mais non! Eh, mais vous êtes pas. Eh! Eh, mais c'est pas très. Il y avait de toute façon, il y avait tic 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 tic, il y avait une boum. Mais avait... c'est pas loyal, t'as vu à combien ils sont? Ah, on peut retourner dans la furtivité? Ce niveau nous laisse une chance. Non, me dis pas qu'on doit tous retaper! Non! Non, non, ça va. Eh, hey, les gens, on se redonne un nouvel essai. Deuxième défi. Non. Ah, mais je voulais du boum boum. Tu vas en avoir, de toute façon. Oui. Je vais t'en donner du boum boum, ne t'inquiète pas. Wopé. Il est où celui qui a fait le découvrir? Il est là-haut. Hop, 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 hop. Non! Non, non, je suis pas là. Non! Ah, trop toi. Aïe, aïe, aïe. Oh! Oh, il y a un mec avec un laser. Ah, ouais. Oh, merde, je glisse. Oh, yo, 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 yo. Aïe, aïe, aïe. Non! Et toi à couvert, tu l'as. Oh là 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 là! Et voilà! Bah! Bon. Je garde un excellent souvenir du précédent épisode. Oui! Non, tu m'as pas vu. Non, je te jure, tu m'as pas vu. Non, non. Viens là, viens là. Et hop! Tu es passé sur le côté et tu m'as pas vu! Voilà. Dodo. Fais-nous un gros dodo, hein. Grenade. Voilà. Non! C'est rien! Oh, merde! Hep, hep, hep! Eh! Voilà. Bon. Méthodique. Vous êtes où? Oh, merde! Oh, lol! Bon. Ça fait boum. Reprenons. On va tout tenter. Viens là, toi. Voilà. M'a pas vu. Non. Grenade pour du boum boum. Il y en a deux là-bas. Est-ce qu'on peut... Trois même. Qui? Ah ben là, ça va faire boum. Il y en a eu qu'un. Oh. Qui? Ah, tu vas tous les amener? Ouais. Il y en a encore un là-bas au bout. Déployez-vous, couvrez tous les côtés. Voilà. Par le vide. Ils font des ricochets. C'est ça. T'en as un à droite, à gauche. Ma gauche. Encore. Il y en avait un à gauche. Ah bah, il est parti faire pipi. Bon, j'ai plus de grenades. Non. M'en fous.
Aïe. T'es où? Là. Ah, je t'ai vu. Putain. T'en as trois. Ah, je te vois pas. Voilà. Mais non, tu l'auras pas. Ah. Ouh. Attends, viens là, toi. Non, mais oh. Quand je suis maintenant. Peut-être là, ça. Ah, elle l'a pas vu. Non. Non. Ah. Ah, le laser. Laser à la con. Le laser. Non. Voilà. Ouh. Ouais, que t'arrives à le choper. Je voudrais essayer de l'avoir. Là où le laser pointe. Il y a une autre. Non. Un autre flingue. Oh non. Voilà. Oula. C'est oh merde, merde. Bon, oula. Bon, voilà part. Oh mais merde. Bombe. Oh le petit bug de graphisme. Voilà. Toi je t'ai vu. Wopé. Il m'a pas vu. Non. Oh. Bombe. Un grenade. Hey hey. Hey. Hey mais couvre-toi mieux. C'est froid. Oh mais merde. Voilà. Bon toi. Voilà. Oh mais merde. Mais arrêtez un peu. Hey, ils vont la faire play. Ah là 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 là, mais détruisez pas le monument historique. Voilà. Respire, respire, respire. Voilà. Eh hey, mais tu te fous de moi là. Oh là là, bah alors. Voilà. Ah. Ça va mieux. Bah 10 minutes et 3-4 morts quand même, hein. Bref, continuons. Ah bah c'est vrai quoi. Ah. Waouh. Voilà. Tout le temps dérangé par ces gunfights. Grenade, ça me plairait bien, mais t'as raison, Doucet. On fait jamais assez trop boum boum dans la vie, donc attends, avec 6 par contre, comment t'en as 6 de grenade, hein. Ça va le faire. Ah oui, le pop ton piton, ah oui. Oui, suite de l'histoire. Voilà, par là-bas. Oh. En arrière. Trop fort. On dirait des papas de dinosaures et branches. Frère. Mais t'avais dit que tu ferais des knackis. Non, franchement, t'es où? Un squelette. Oh. C'est sinistre.
un petit peu. On dirait que l'équipage de Burns a eu autant de chance que moi avec ce trésor. Ah, j'avais pas vu. Non mais c'est bon, tu la pètes pas non plus. Ah, un trésor. Ah, un autre pic-pic là. Python. Voilà. J'ai du mal avec ce mot python pour le pic-pic parce que pour moi un python c'est l'animal quoi. Hop, 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 hop. Et grimpe. J'ai failli te faire sauter le crâne. Failli. Sam, tu vas bien? Ouais, c'est qu'un petit pépin de rien du tout. C'est cool de te revoir en vie, petit frère. Allez, viens. On a un trésor à trouver. Je te trouve bien pressé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment ça? Je te signale que notre matériel a sombré au fond de l'océan Indien. Eh ben, pourquoi on n'irait pas se servir dans l'équipement de Nadine? Puisque t'en parles, on fait face à toute une armée. On s'en est pas trop mal sorti jusque-là. Bah, on est quand même paumé au beau milieu de nulle part. Précisément là où on voulait se rendre. Sauf qu'on avait un plan pour s'en sortir. Bon, écoute, je te fais une proposition. Et si on descendait et qu'on allait voler un des bateaux de Rafe? Les bateaux de Vator. Tu sais pourquoi on est venu ici? Pour pouvoir me racheter une vie. D'accord? Et pour ça, on va s'aventurer dans cette putain de jungle et retrouver les Berthalphes. Est-ce que t'as repéré quelque part des vestiges d'une colonie de pirates? Parce que moi, j'en ai pas vu. Il est un peu tard pour exprimer des doutes, tu crois pas? Mais est-ce qu'on pourrait pas au moins envisager la possibilité qu'éventuellement l'utopie secrète d'Avry n'ait pas vu le jour comme prévu? Et peut-être qu'on s'est laissé emporter par cette histoire fantastique, alors qu'en fait, on devrait chercher un véritable moyen de te sauver. Je vais tracer cette île bête fin, centimètre par centimètre s'il le faut, jusqu'à ce que je trouve ce trésor. Alors, si toi, tu sais pour quelle raison tu es venu jusqu'ici, je te retiens pas, Nathan. Attends, comment ça tu me retiens pas? Tu te fiches de moi? T'as une idée de ce que ça m'a coûté de t'amener jusqu'ici? Et moi, tu sais ce que ça m'a coûté? Hein? Ça m'a quand même coûté 15 longues années de ma vie. Ça n'a rien à voir avec ça. Si, ça a tout à voir avec ça. Quoi? Regarde-moi ça. Tu veux toujours rentrer, petit frère? Allons voir si on trouve autre chose. Oh, des lémuriens. Il y a un escalier. T'étais derrière, tu sais. Tu peux arrêter de me cramer, hein? C'est moi qui passe devant. Comme c'est joli. Ah. Sam, là-haut. Allez, t'arrives. Oui. Non, je descends. Voilà. Si avec le toit. Il a bon dos. Oh, elle est très bonne. Excellente. C'est pas par ici. Non, donc on fait. Et Nathan, je crois que j'ai trouvé un passage. Vas-y, viens. Allez, par là.
Oh. En tout cas, on peut dire qu'il avait les épaules pour supporter ça. Ah ouais. Oh putain. Combo connerie. Ouais, bah même les maçons du cœur, ils faisaient mieux. C'est vieux ça. Il est dans le bateau avec le reste de mes affaires. Ah, faut redescendre par là ? Non. Ah bah, si. Bah non. Ah si. Si. Non, si, non, si. Bah non, j'ai... Bah non, si. Ah. Oui, il y a une caisse à droite. À gauche, pardon. Regarde, il y a une sortie là. Ah non, c'est trop haut. Il manque dans la courte échelle. Il faut trouver un truc sur lequel on peut monter. C'est bon, je l'ai trouvé. Ah, t'es bigleux. Enfin, je l'ai trouvé, mais pour Nathan. Ça, c'est Nathan. Il a sauté. Ouais, non, quand il est par terre, il peut pas faire des bons 15 mètres. C'est le défaut de Nathan, il a pas tout. Ouais. Faufile-toi. Cette caisse me donne une idée. Tant que c'est qu'une idée. Voilà. Oui. Industriel à l'abandon. Hey, merci pour cette info, Nathan. Allez, qu'est-ce que tu vois ? Tu veux juste me l'entendre dire, c'est ça ? Mais oui, je veux vraiment t'entendre dire. Ouais. Libertalia. Oh. Libertalia, la grande utopie des pirates, la ville perdue légendaire, découverte plus de 300 ans plus tard par l'illustre Samuel Drake. Et son idiot de jeune frère, légèrement moins charmant, qui lui collait au train depuis la nuit des temps. Tu sais, j'ai toujours su qu'on ferait quelque chose de toi. Je sais pas si tu sais, mais j'ai déjà fait ça avant. Chut, laisse-moi profiter de l'instant. Alors, par où on commence ? Qu'est-ce que tu dirais de ce bâtiment là-bas ? Oh, tu parles de celui avec les tours de garde. C'est ça. Justement, on devrait aller voir ce qu'elle gardait. Ouais, c'est pas dit. Quatorze. Oh, ça me laisse sans voix. Rejoins-moi au... paradis. C'est ça que t'appelles sans voix ? Tu crois qu'il leur a fallu combien de temps pour acheter tout ça ? Des années. Mais quel les paradis ? Dis-moi. Moi. Ah ! Comment ont-ils fait pour tenir ça au secret aussi longtemps ? Cet endroit, sans parler du trésor, c'est quand même une sacrée découverte. Ah, trésor ? Une petite note. Cette lettre est toujours lisible. Vous avez certainement entendu dire que mon navire avait été détruit par un bateau de l'Inde orientale. Si vous m'avez pleuré, je vous demande pardon, mais le monde devait croire à ma mort. Non seulement votre fils est bien vivant, mais vous serez ravi d'apprendre que j'ai démissionné de mon rôle de capitaine. Je ne fais plus fortune en tant que voleur. Au lieu de ça, moi et mon fidèle équipage de flibustiers avons rejoint d'autres âmes pareilles aux nôtres pour mieux servir la liberté. Nous fondons une colonie où tous les hommes sont considérés comme libres et égaux. Pour cela, j'ai choisi de travailler la terre et l'élevage, ce qui, j'imagine, va vous amuser au plus haut point, mais cela m'offre une satisfaction jusque-là inconnue pour moi. Pour le moment, notre position doit rester secrète, mais j'espère qu'un jour vous pourrez venir ici et voir de vos yeux ce que nous avons accompli, une société libre de la soumission injuste que vous avez apprise à accepter, Christopher. Bien. C'est que des documents comme ça qui peuvent rester intacts. Ouais. Pendant des années, c'est incroyable.
Hop. Et pardon pour mon problème d'élocution de lecture, mais... C'est comme ça, ça peut arriver, on bafouille. Regardez le samedi soir, on fait des sambalay eco pour... C'est ce que j'allais dire. Il y a tout un art derrière nos bafouillages. C'est ça, c'est une philosophie. Ah, il y avait l'électricité. D'accord. Il y avait... Il n'y en a plus. Alors, article 5. Oui. Attends, il prend des notes. Qui désert Libertalia. Je vois pas très très bien. Je vois la fin punie par la mort. Mais je suis sûr que vous avez lu, vous avez traduit. N'est-ce pas tout ça? Ils ont lu, ils ont traduit. Hein. Oui. Ah! L'agneau. Soif. 130 ans d'âge. Il déboucherait un chiotte. Ah! Une canette. Oula. Évidemment. Bah attends, tu peux défoncer la porte. Le coup de piton. Ah voilà. Ah non, pardon. Il y a la croix de la religion catholique, on ne touche pas. Apparemment, ah, il oui, veut pas. Pardon. Il veut pas. J'avais pas vu. J'aurais cru. Non, toi avec Nathan, on peut tout croire. Hein. Oh oui. Ah, là-bas. Viens ici, ça. Ben oui. Voilà, t'es bien tout. Content de savoir qu'il y avait un passage. Merci Nathan, de formation de capitale. Non. Non plus. Non plus. Non plus. Ah. Oh. Ah, par là. Bonjour. Ici, nous savons pas des morts. Enchanté, capitaine. Vous vivez dans une magnifique montagne. Hein. Les bâtisses, ça va falloir faire quelque chose. Hein. Vous devez sûrement être très belle. Hein. Ah. Faut aller chercher Pinto et Pinta. C'est ça. Chef chantier. Chef de chantier. Plombier, maçonnier. Ah mince. Ah, l'agneau. Allez. Ça, par contre, il peut pas le prendre. Même dans une ville de pirates, il faut bien un endroit où enfermer la racaille. Ah, qui est-ce que les pirates pouvaient bien prendre en prison? C'est carrément une de pirates avec oh. Ah, tu sais, il y a des cons partout. Même chez les pirates. Un bol. Bon, tu peux te pousser, s'il te plaît, j'essaie de passer. Ah, je crois que c'était un trou. Pour quelqu'un. Il en avait marre de se faire dessus. Il a créé un trou à chiottes. Bon, rien. Ah, oui. L'agneau. La soif. Ah, la soif. Ah, bah, j'ai perdu ma clé USB, tiens. D'accord. Et ça, tu le prends pas avec toi? Non. Non. Non, pas là, non. Je soulève ma tête au cas où. Rien à faire de plus ici. Donc t'es sur les... Non. Bon. Ah, il y a bien un truc à faire, faut aller de l'autre côté. Tiens. Non. Non, t'énerve pas, t'énerve pas. Bah mince.
Au cas où. Tu veux t'accrocher à la lanterne ? C'est ce que je me suis dit, mais non. Nathan, c'est pas marrant, tu... Oula. Te fais pas du mal. Non plus. À l'étage. Bah mince. Ah. Voilà. Bah non. On y a cru. On y a cru, mais. Mais non. Alors, cher Avery, peux-tu me dire où est-ce qu'on peut sortir ? Ah ? Il dira plus rien là. Oh. Ah non, c'était pour. Oui. Bah mince. Alors, cher Cuvert, si vous n'avez pas remarqué, à votre gauche, il y a des cellules. Bon, réfléchissons. Réfléchissement, Jean-Pierre. Oh oui. Ah, peut-être par là. Non. Tu. Oui. T'es où? Oui. Bah ouais, on l'a vu tout à l'heure. Non, mais non, y'a rien à faire avec. Déconne pas. Tu sais que tu m'as dérangé juste pour montrer quelque chose que j'ai déjà vu? C'était pour être sûr. Ah ouais, mais il aurait dû m'écouter. M'écoute pas. M'écoute jamais, de toute façon. Bah alors? Ah oui. Trouver un allié. Vas-y, dis-moi à côté de quoi je suis passé. Oui. On y va. Et tu vas me dire que c'est par là. Et le pire, c'est que je suis passé à côté. C'est toujours comme ça. Sam. Petite courte échelle. Oui, s'il te plaît. Tu veux me porter ton petit frère ? Oh. Vas-y. Non. Ton piton. Ah ça oui. Ça fait bizarre de te dire ça. Tu veux que j'utilise mon piton ? Bah non. Même avec mon piton. Oh, par contre, tu peux donner un coup de piton. C'est ça. Ah non, peut-être en face. Non plus. Oh. Fais gaffe, je vais te donner un coup de piton. Voilà. Tu me dis comment y accéder ? Pom, 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 pom. Ah, je suis pas fou quand même. Bon, tu m'as dit où est-ce qu'il fallait aller. Après, c'est où? Non, sérieusement. On est coincé ici. Le grappin ou. Enfin, je sais pas. Ben, il me l'aura indiqué. T'as des poutres, à mon avis, faut pas encore que tu montes. Ah, ouais, c'est ce que je me dis. Sauf qu'il ne veut pas. Ah, je veux bien essayer un truc. Mais non. Bon. Non. Bah, c'est pas par là. Faut que tu redescendes. Ah, attends, je suis bête. Hey Sam, viens voir, j'ai trouvé quelque chose. Aïe. Oh, une lampe. Tiens. Ah, tellement plaqué qu'on a mis 3 minutes à le découvrir. Regarde ça. On dirait que c'est un plan du quartier commercial. Ouais, et... Boum, voilà notre trésor. Juste là, tu vois, elle est là, toi. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de préparer?
Oui, du bruit. Oh, Captain Igloo. C'est quoi ça? Alors, qui peut bien marquer cet endroit? Est-ce que c'est une sorte de sceau? C'est vrai, il y a peut-être des problèmes au paradis. Oh, gauche, droite, gauche. Ah oui. Ah. Et on t'en a de la corde. C'est une corde illimitée, j'allais C'est dire. ça. Bah. Hey, j'ai trouvé le reste de la colonie. Oui, puis un gunfight qui s'annonce. Et hop. Ah. Écoutez. Ah. Allez. Prendre l'élan. Et hop. Deux fois. Et de deux. Pourtant, c'est que je donne des coups, hein. Bon, allez, la troisième, c'est la bonne. Et pourtant, on dit toujours que j'avais 203. Hop. Et bon. Bonjour. Hop, 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 hop. Oui, il y a du pipo, lui. Vous avez déjà prévenu Nadine? Bon, faire diversion, ça va être dur, hein, surtout avec le grand frère qui n'arrête pas de... Ah, on peut passer par là? Oh merde, oui, bien sûr. Oh non! Ah! Stop! J'allais te dire en plus, t'as un flingue à grenade. Tu vas pouvoir tout péter. Ouais! Je suis impatient. Maintenant? Pas maintenant. Oh merde, pourquoi? Prochain? C'est déjà la fin de l'épisode! Bah ouais! Bon, faut dire, c'est moi qui appuie sur start. Hein. Un épisode plutôt calme, avec des endroits où on n'aurait pas osé aller. On n'aurait pas osé trouver. Comment on aurait passé en dessous sans le savoir? Wow! Des questions qui ne trouveront jamais réponse. Non. Parce que c'était totalement incohérent. Bref, on va avoir un gunfight qui se prépare, mais c'est pas pour tout de suite. Ça sera pour le 19e épisode. Ouais. Wow, 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 wow. Ça va faire du boom, je crois. T'aimes bien quand ça fait du boom, Douce. C'est hein vrai quand tout y pète, ouais. Ouais, t'aimes bien quand tout y pète? Ouais. Donc on se retrouve au 19? Ouais. C'est pareil? C'est pareil. Super, alors n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube Douce et Panthémor Gaming. Ouais. Eh ben c'était Douce et Panthémor. Et on se dit bonjour!